attack comes out. He digs deep. Il y a certes 198 coureurs qui courent le Tour de France, mais il y a facilement 1000 à 1500 techniciens qui mettent en place le décor. Et ces gens-là, évidemment, on n'en parle quasiment jamais. Yes, and we are open for business. Donc nous commençons le montage de la ligne d'arrivée à partir de 5h du matin. 5h du matin, nous mettons donc un coup de craie, un coup de peinture sur la ligne d'arrivée qui a été préparée évidemment sur la base d'un document technique. À partir de 5h, donc, nous commençons, ce qui signifie que les moyens techniques, la tribune de presse, les camions déposent le matériel. We start pulling cable. And then power up the added van, the OB truck and the studio. Nous développons, je vous l'ai dit, donc 60 km de câbles. Des groupes électrogènes alimentent la zone technique. Ça représente 2 MW de puissance électrique. C'est-à-dire que ça représente l'équivalent d'une ville de 6000 habitants en électricité. Sur le périmètre de l'arrivée, l'arrivée représente en moyenne technique, 4 hectares de surface. On a 4 hectares donc, de moyenne développée sur la zone technique et les différents parkings. On rajoute 3 hectares pour la salle de presse. Ça représente donc 150 camions, 150 camions qui se déplacent quotidiennement pour la ligne d'arrivée. Et une trentaine de personnes à travailler sur la ligne d'arrivée. Et en nombre de barrières, moi pour le barriérage haut, on pose entre 600 et 900 barrières chaque jour. On va se restaurer et puis se reposer dans l'après-midi pour reprendre ensuite après l'arrivée des coureurs. À partir donc de 18h30, nous commençons le démontage de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que les camions reviennent sur le périmètre de l'arrivée pour récupérer le matériel. Cette récupération de matériel dure environ 4h, 4h30. Autour de 21h30, 22h, l'ensemble des moyens techniques part en direction de la ville étape suivante. Quand nous sommes arrivés donc dans la nuit aux alentours de minuit, 1h du matin dans la ville étape suivante, nous dormons quelques heures, ce qui signifie qu'à 4-5h du matin, le lendemain matin, nous recommençons le montage de la ligne d'arrivée. Et ainsi de suite sur les sites d'arrivée. Si vous voulez, on peut considérer que les techniciens du Tour sont des sortes de maçons, d'architectes, de gens qui construisent en fait.
on met en place un décor qui est très éphémère et qui disparaît immédiatement après l'arrivée des coureurs.